du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, le plus grand musée d'Europe, dont je peux vous confirmer, au moment où je vous parle, que nous aurons atteint depuis l'ouverture 1 million de visiteurs, 1 million de visiteurs venus du monde entier, ici dans notre pays de Meaux, pour découvrir, apprendre, comprendre ce que fut la tragédie de la Première Guerre mondiale. J'ai à côté de moi mes amis élus qui sont présents de l'ensemble du pays de Meaux, et je veux les saluer, saluer mes collègues maires, saluer toutes celles et ceux qui participent au quotidien aux côtés d'Aurélie Perretin, de Bernard Le Cicero, à ce travail d'animation de notre musée de la Grande Guerre. Saluer nos porte-drapeaux qu'on peut applaudir, ainsi que les reconstituteurs en grande tenue de soldats de la Marne et qui, tout au long de cette journée, et très souvent à Meaux, viennent accueillir le public très nombreux. Et puis, j'ai à mes côtés quelqu'un sans lequel rien n'aurait été possible. Je suis très, très heureux qu'il soit avec nous pour ce 10e anniversaire. C'est celui qui a constitué cette collection, la collection privée la plus importante au monde d'objets de 14-18, 70 000 objets, auxquels s'ajoutent depuis 10 ans les dons de milliers de donateurs venus du monde entier, apportant des objets personnels datant de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, de ces hommes, de ces femmes qui ont vécu la tragédie de 14-18. Cette collection unique au monde, elle a été constituée par un seul homme. Cet homme ne savait pas très bien quel était l'endroit qui pouvait l'accueillir. Personne ne trouvait le moyen de créer le lieu qui était nécessaire. Lorsqu'en 2004, nous nous sommes rencontrés, il y avait un Américain, un collectionneur américain de Boston qui lui avait proposé de reprendre cette collection. Mais entre-temps, la vie a fait que j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Vernet, car c'est de lui dont il s'agit, et que je lui ai proposé, s'il en était d'accord, de nous céder cette collection et de faire en sorte qu'ici même, sur ce site héroïque de la bataille de la Marne, où en septembre 14, des soldats français ont sauvé la France et sauvé la démocratie, eh bien, il a donné son accord pour céder cette collection et nous permettre de construire ce musée magnifique qui fait que chaque Meldoise et chaque Meldois, chaque habitant du pays de Meaux peut être fier de ce musée. Alors Jean-Pierre, je crois qu'on peut vous faire une ovation et je vous cède le micro. Oui. 10 ans déjà, j'ai l'impression d'être un bébé là. Bon, sérieusement, je voudrais rappeler ce qui s'est passé il y a 17 ans, en fin de compte, en 2004, quand j'ai rencontré Jean-François. Nous ne nous connaissions pas, et il y a eu comme un déclic, comme une révélation, pour lui en tout cas, une sorte d'instinct venant du fond du cœur, et il a dit, la bonne ville de Meaux mérite un musée, mérite ce musée. Et ça, pour moi, sans lui, il n'y aurait pas de musée. Hein. Voilà. C'est peut-être ce qu'on appelle le génie politique. En tout cas, il faut le savoir. Donc 10 ans après son ouverture, le musée de Meaux est donc devenu un endroit incontournable, des sites de mémoire dédiés à la Grande Guerre. Tout autant un musée d'histoire que de société, c'est donc un lieu de découverte qui a séduit, dès son ouverture, le monde enseignant et apporté aux scolaires, mais aussi aux autres publics, un éclairage très varié, propre à questionner, à interpeller, et même juger, en un mot faire réfléchir, et mieux encore, apprendre la tolérance. D'ailleurs, c'est probablement ce qui a incité autant de donateurs à venir enrichir les collections. Aujourd'hui, pour moi, le musée est comme une sorte de phare. Je le vois, 100 ans après cette première grande guerre, comme une nécessité presque charnelle, voulue par les vivants d'aujourd'hui, comme une humble réponse aux millions de croix de bois. J'aimerais aussi y voir comme une sorte de lumière, faisant face aux ténèbres et tragiques lanternes des morts, celles qui sanctifient la ligne de front. À la nuit tombée, leur phare s'allume et brise de la Suisse à la mer du Nord. Eux se doivent de rappeler aux vivants la grande tragédie qui a ouvert le XXe siècle. Ainsi il en est à l'Hartmann-Villerskopf dans les Vosges, à Douaumont-et-Vauquois dans la Meuse,
dormant dans la Marne, Cernay-en-Lannoy sur le chemin des Dames, ou Notre-Dame de Lorette dans le Pas-de-Calais. Je vous remercie. Chers amis, dans un bref instant, vous allez découvrir un spectacle son et lumière qui est une manière pour nous de caractériser avec émotion ce 10e anniversaire et cette commémoration du 11 novembre 1918, armistice de la Première Guerre mondiale. Et puis vous pourrez ensuite continuer, pour ceux qui le souhaitent, de déambuler, de découvrir ou de redécouvrir le musée de la Grande Guerre. Bernard Le Cicero me disait tout à l'heure que nous avons dépassé les 4500 visiteurs en cette seule journée. Donc autant dire que d'ici la fin de la soirée, nous serons au-delà de 5000. Profitez-en pour essayer de comprendre, à travers les objets, les uniformes, les armes, les lettres, les images, les photographies, les films, d'essayer de comprendre un peu de ce qu'ont vécu ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants aussi, qui ont traversé cette Première Guerre mondiale. Il y a une chose que je voudrais vous dire à chacune et chacun d'entre vous avant de découvrir avec vous ce spectacle. Je voudrais que chacune et chacun d'entre vous emporte avec lui un message de paix et un message de vigilance. Un message de paix parce que l'histoire de l'Europe, et donc l'histoire de la France, ce sont des siècles et des siècles où on a fait la guerre et où on s'est fait la guerre. Parfois pour des motifs incompréhensibles de futilité. Bien souvent, ces guerres ont laissé derrière elles des traces indélébiles de haine. Jusqu'au jour où, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu assez d'hommes et de femmes traumatisés pour dire cette fois, on arrête, on fait la paix et on fait l'Europe. Avec ses défauts, mais on fait l'Europe. Et depuis 1945, sur notre territoire de l'Union européenne, c'est la paix. Et il faut préserver ça pour nos enfants. Et à celles et ceux qui pensent qu'en réalité, c'est facile la paix, je veux vous dire que la paix, c'est très difficile. Faire la guerre, c'est une décision qu'on prend en quelques jours. Préserver la paix, c'est des années et des années d'écoute, de respect, de dialogue, de diplomatie, de savoir-faire. Et mon deuxième message, c'est un message de vigilance pour nous, notre génération, mais aussi pour les enfants qui sont très nombreux aujourd'hui et à qui je veux m'adresser tout autant qu'à leurs parents ou à leurs grands-parents. La vigilance, c'est à l'égard de tous ceux qui aujourd'hui tentent d'exaspérer à nouveau les haines et les tensions, parfois même de réécrire l'histoire de manière indigne pour servir leurs thèses, qui sont bien souvent des thèses de peur, des thèses de haine, des thèses qui visent en fait à désigner sans cesse des boucs émissaires. Soyons vigilants. La République, la démocratie, ça exige l'autorité, la fermeté, sûrement pas le désordre. Mais attention, ça doit toujours être au service d'un idéal de liberté, de fraternité et de paix. Et ce message-là, je voudrais vraiment le partager avec chacune et chacun d'entre vous. Quelle que soit votre histoire, vos convictions, vos sensibilités, dites-le autour de vous. Et moi, je vous le dis, en connaissance de cause, ça va très vite, les flammes qui se rallument de la haine. Et tout doit être fait pour préserver le respect et la tolérance. C'est ça le message que je voudrais partager avec vous en ce 11 novembre 2021 devant ce musée de la Grande Guerre, si évocateur des tensions du passé et de la nécessité pour nous de préserver l'avenir en ce 21e siècle plein d'incertitudes. Voilà, je voudrais vous dire qu'on est ici tous et toutes très émus. Nous sommes des élus heureux parce que, comme dirait Jean-Pierre, ça permet de voir que de temps en temps la politique, ça sert à quelque chose. Quand on prend des décisions, qu'on les met en œuvre, qu'on les assume et qu'on a, grâce à vous tous, le soutien de toute une population, de tout un territoire qui est fier de pouvoir partager cet accès à la connaissance. Et c'est vrai que bien souvent, il y a un certain nombre d'entre vous qui me disent que quand ils accueillent des amis qui viennent de l'extérieur, eh ben ils les emmènent visiter le musée de la Grande Guerre, et c'est des moments où on partage bien sûr une connaissance forte et un partage de l'histoire. Voilà mes chers amis, je vous laisse maintenant découvrir ce moment de spectacle et d'émotion,
et ensuite, si vous le souhaitez, de retourner visiter le musée. De l'Empire austro-hongrois et sa femme. L'Europe vacille. Cet assassinat enclenche avec lui le système d'alliances diplomatiques mis en place entre les grandes puissances européennes à la fin du 19e siècle. En France, le 2 août 1914, c'est la mobilisation générale. En quelques semaines, l'Europe entière entre en guerre. 10 millions d'hommes partent au combat pour une guerre qu'ils pensent courte et victorieuse. Ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et le terrestre aveu. Car cet aveu d'honneur est le commencement et le premier essai d'un éternel aveu. Heureux ceux qui sont morts dans cet écrasement, dans l'accomplissement de ce terrestre vœu. Car ce vœu de la terre est le commencement et le premier essai d'une fidélité. Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement et cette obéissance et cette humilité. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus. Le 5 septembre 1914 à Villeroy. Le lieutenant Charles Péguy est tué d'une balle dans le front. Poète et philosophe, il avait écrit une année plus tôt seulement ces vers tristement prémonitoires. Un mois seulement après le début du conflit, les Allemands ne sont plus qu'à 50 km de Paris. Du 5 au 12 septembre 1914, c'est la bataille de la Marne. Point d'avancée extrême des troupes allemandes, les alentours de Meaux sont au cœur de la bataille. Les civils sont touchés. Certains fuient tandis que d'autres se retrouvent pris dans les combats. La guerre de mouvement s'enlise. Bloqués face à face, les hommes s'enterrent pour se protéger. C'est le début de la guerre de tranchées qui va durer 4 années. Tout à coup, une étoile intense s'épanouit là-bas. Vers les lieux vagues où nous allons. Une fusée. Elle éclaire toute une portion du firmament de son halo laiteux, en effaçant les constellations. Et elle descend gracieusement, avec des airs de fée.
l'explosion a instantanément répandu dans le bas du ciel, on voit nettement que devant nous, à un kilomètre peut-être, se profile de l'est à l'ouest une crête. Cette crête est à nous dans toute la partie visible d'ici jusqu'au sommet que nos troupes occupent. Sur l'autre versant, à 100 mètres de notre première ligne, est la première ligne allemande. L'obus est tombé sur le sommet, dans nos lignes. Ce sont eux qui tirent. Un autre obus. Un autre plante vers le haut de la colline des arbres de lumière violacée dont chacun illumine sourdement tout l'horizon. Et bientôt, il y a un scintillement d'étoiles éclatantes et une forêt subite de panaches phosphorescents sur la colline. Un mirage de féerie bleue et blanc se suspend légèrement à nos yeux dans le gouffre entier de la nuit. Ceux d'entre nous qui consacrent toutes les forces arc-boutées de leurs bras et de leurs jambes à empêcher leur vaseux fardeau trop lourd de leur glisser du dos et à s'empêcher eux-mêmes de glisser par terre, ne voient rien et ne disent rien. Les autres, tout en frissonnant de froid, en grelottant, en reniflant, en s'épongeant le nez avec des mouchoirs mouillés qui pendent de l'aile, en maudissant les obstacles de la route en lambeaux, regardent. C'est comme si tu vois un feu d'artifice, disent-ils. Complétant l'illusion de grands décors d'opéra féerique et sinistre, devant lequel rampe, grouille et clapote notre troupe basse, toute noire. Voici une étoile rouge, une verte, une gerbe rouge, beaucoup plus lente. C'est enfin décidé à poindre. On voit les choses en salle. Autour de la route, couvert d'une couche de peinture gris-perle avec des empattements de blanc, le monde réel fait tristement son apparition. Principale occupation de la vie, la gloire de notre civilisation est de nous mettre en état de vivre presque normalement quelquefois. L'armistice est l'entracte d'un rideau à l'autre. Qu'il soit le bienvenu. Thank you.
juin 1919, date anniversaire de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, après plusieurs mois de négociations diplomatiques, est signé à Versailles le traité de paix avec l'Allemagne. Jusqu'en 1923, il sera complété de plusieurs traités de paix avec les autres pays vaincus. Septembre 1917, dans le New York Times Magazine, paraît un article qui appelle à réunir des fonds pour faire édifier en France un monument en mémoire de la bataille de la Marne. Cette initiative fait écho à la Statue de la Liberté, cadeau offert 50 ans plus tôt par les Français aux Américains et qui veille depuis sur le port de New York. Après plusieurs essais, le sculpteur américain McManus réalise en 1927 Liberty in Distress, un bronze de 3,10 m qui servira de modèle au monument final. En 1929, à partir d'une maquette en argile de cette œuvre, le sculpteur Edmondo Quattrocci commence son travail d'agrandissement dans un atelier installé à Meaux. En moins de 18 mois, 220 blocs de pierre de Lorraine pesant chacun 6 à 8 tonnes sont taillés, marqués et installés sur le noyau de ciment. Haut de 21 mètres, le monument est composé de plusieurs ensembles allégoriques. Sur son socle réalisé par Thomas Hastings, un autre sculpteur américain, sont gravés deux textes, dont l'ordre du jour de Joffre, commandant des armées françaises du 6 septembre 1914. Les changements successifs de la composition voient le retrait, puis le retour du soldat sur la cuisse. L'ajout de victimes convulsées et entremêlées et les traits du visage de la femme sont rendus plus dramatiques. Cette sculpture va être la dernière œuvre majeure de McManus et son seul monument érigé en France. Le mémorial de la bataille de la Marne est inauguré le 11 septembre 1932. 30 000 personnes sont présentes ce jour-là, parmi lesquelles on retrouve des représentants des gouvernements français et américains, ainsi que des autorités